fumeur, il pollue, il nous affaisse, il nous intoxique. Alors, moi, je peux pas les supporter. Ça me monte par le nez, comme ça, et puis après, je peux plus parler. Et qui c'est qui va le faire à ma place? Hein? Alors, moi, je peux pas supporter ni le bruit, ni le fumeur. Voilà un vice. Alors, eh ben oui, eh ben c'est comme mon chien. Ouais, mon chien, comme ça, il devient pire que les hommes. Ouais, là, il est possessif, il est jaloux, il est même agressif, hein. L'autre jour, il m'a mordu, cette petite vache-là. Je sais pas pourquoi on dit une vache, puisque c'est un chien. C'est les expressions à la française. Comme ça, moi, je vais parler le franglais. Comme ça, on parlera tous pareil, hein, vous êtes d'accord. Et puis, on se comprendra mieux. Alors, pour en revenir à mon chien, je vous disais comme ça que moi, je vais m'en débarrasser, mon chien. Vous le voulez? Qui c'est qu'il veut, mon chien? Oui, bon, ben d'accord, c'est 4000 balles. Oui, parce que c'est un chien de race, tout simplement. Alors, je veux bien m'en débarrasser, mais quand même. Et puis, je ne sais pas combien ça fait en héros. Qui c'est? Parce que les héros, c'est moi, ça fait 2, alors. Mais je ne sais pas, prenez votre calculette, et puis après, vous me disiez combien ça fait, d'accord? D'accord. Oui, parce que je disais, mon chien, moi je vais m'en débarrasser, parce que de toute façon, j'ai besoin de personne, de personne. Non, parce que je fais tout, toute seule, tout. Je mange toute seule, je bois toute seule. Mais pas beaucoup, un tout petit peu, le soir, un petit verre de pinard, comme ça, c'est tout. Je me promène toute seule. Oui, je me promène. Sauf quand mon petit bichon, il est mignon, alors là, je l'emmène. Mais ce soir, eh ben, je l'ai laissé dans la voiture. Ça lui fera les pieds. Oh, encore une expression à la française que je comprends pas. Ça lui fera les pieds. Non, moi, je vais changer de langue. Qui c'est qui veut changer sa langue avec moi? Personne. Bon, eh bien tant pis. Alors je disais donc que je faisais tout toute seule. Oui, parce que aussi, j'écris mes sketchs toute seule. Là. Et vous voyez le résultat. Et puis aussi, je l'ai dit toute seule, le sketch. Hein? Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, parce que j'ai trouvé personne ce soir. Si quelqu'un veut m'aider, eh bien qui vienne là, c'est pas de refus. Et puis alors, je vis toute seule et je dors toute seule. Ah, il y a qu'une chose que je fais pas toute seule. Ah, devinez. Ah, eh bien c'est l'amour. Non, c'est mort, là j'ai besoin d'un partenaire. Mais attention, hein, c'est pas un appel. Non, non, non. Mais quand même un bon entendeur. On se verra à la sortie, là, pour les autographes, hein? Allez, à toute allure, mes bibi chéris. Ah! 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 Au fait, patron! Où il est, patron? Parce que moi, je ne le connais pas bien. Patron, si vous avez besoin d'une entraîneuse, eh bien, je me propose. D'accord? Parce que je peux le faire toute seule. Hein? Vous voulez? Et puis parce que vous savez, moi je suis la nana qui débute dans le métier. Alors, est-ce que vous croyez que j'ai des chances? Non? Ben, j'en ai pas beaucoup.